poils comme ça là, en train de tromper amer qu'amer, le couple s'est séparé. Ouais, salut, 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 salut. Partagez le live parce que bientôt là. Non. On ne parle pas d'eux depuis là. C'est parce qu'on ne parle pas d'eux depuis. Ils veulent faire le buzz. Personne ne les gère. Moi-même, je ne parle pas d'eux. Comme personne ne parle d'eux depuis là, ils sont un peu morts. Vous avez vu que sur la toile, on ne les gère pas. Ils ne parlent même pas d'eux. Ils veulent créer le beurre parce qu'on ne parle pas d'eux. Depuis, personne ne les calcule. Donc maintenant, ils veulent créer un truc. Jamais, je ne suis pas dedans. Je ne parle plus de leur connerie là. C'est fini. Ah, mais. Oh, l'affaire Messin est finie. Oh, les adversaires sont à terre. L'affaire Messin est finie. Les adversaires sont au sol. Vous ne parlez plus de Monsieur Messin. C'est mort. Maintenant, c'est. Comment on l'appelle ça? Personne ne parle du couple là. Il y a que leur buzz est terminé. Ignorance totale. Personne, on ne gère plus ça. Elle va tout faire, elle va même se déshabiller là. Elle va se mettre même sans caleçon. On ne gère plus. La chèvre, il faut la lèpre. C'est le plus grand plaisir. Envoyez-moi un live, je décrypte. Aurore Angoula, elle a encore publié quoi? Elle a publié son mari. Et vraiment les femmes. Aurore Angoula, tu es là, moche comme la pie. Mais tu es là, tu viens moi, un gars, tu es que mon gars à 2 mètres. Et vous voulez que la Côte d'Ivoire gagne le Cameroun ici? C'est quoi ça? La Côte d'Ivoire va gagner le Cameroun ici. Kenza. Une petite Kenza qu'on va venir me dépasser ici. Oh. Oh. Vraiment, c'est pas la peine. Quand tu regardes Oro Angoula comme ça, tu te dis que quelle partie de son corps, c'est-à-dire que quelle partie du corps de l'Angala peut te plaire. Tu regardes de la tête. C'est comme, tu regardes pas. Insulter mes enfants copieusement le matin, le type qui est là dans le live ici. Voilà son ami. Il a affiché son ami. Votre patron Epanglong, il a affiché son numéro. Franck Epanglong, c'est son nom. Le nom de celui de votre femme là. Franck Epanglong. Franck Epanglong, c'est son nom. Kenza, tu as quel âge? Tu as quel âge? Petite, faut te calmer, hein, sinon on va mougou en direct. Hein. Les mecs sont. Mais Eddie, hein? Le Japap dit quoi? Moi, je ne regarde pas tous les lives, les machins. Les lives, là, me fatiguent. Je ne regarde pas. Moi, je travaille. Je suis interdit d'avoir le téléphone. Le chantier, là, c'est un chantier qui doit fracasser un peu les ennemis. Mais vrai, vrai, Ahmed Kamel, il ne travaille pas. Hey! Comment on peut vivre sans travailler? Comment on peut vivre, on ne work pas? Envoyer quelques sacs de ciment. Je n'ai pas envie de laver les gens ce soir. I don't want to do it tonight.
La fille qu'on appelle chérie, attends, à côté de toi, pourquoi c'est une question qui te pose? Je n'ai pas compris. La fille de chérie, c'est elle qui a fait, elle est venue signaler ma page, on m'a donné quelques jours. Ton Modia, chérie du camp. Ton Modia, espèce de pimentière, salope. Espèce de vendeuse de piment que tu sois. Tu vas aller en prison. Tu es venu signaler ma page. Hein? Avec le visage comme le carrefour. Le carrefour, j'ai raté ma vie. Les gens savent, ils savent arranger les problèmes. Orangula, elle m'a envoyé les cancans photos, les cancans trucs. Je vais montrer ça tout à l'heure. Instructif. La Côte d'Ivoire. Les équipes sont arrivées en Côte d'Ivoire, mais franchement, c'est clair qu'il y a les ponts, il y a pas mal de choses, mais honnêtement, c'est pas trop bluffant. Hein? C'est pas trop ça, hein, les Ivoiriens. C'est pas trop ça. Hein. Eh, les Camerounais, vous êtes bêtes. C'est pas le bon profil. Et dites vous les Ivoiriens là, vous les Ivoiriens, franchement, vous n'animez pas votre Coupe d'Afrique, hein. On ne voit pas trop les miracles. Hein. On avait Yamoussoukro, c'était pas trop. It wasn't like magical, right? La panthère. La panthère du zoo. Congo, ça va te tuer. Congo, ça va te tuer. Chérine Djougam, ton Modia. Tu comprends, non? Tu as bloqué mon TikTok, hein? Une vendeuse de piment comme toi, pimentière. Ton médicament, c'est la femme. Celui qui n'a jamais. TikTok. Ce sont les Ivoiriens. Hello, Larry's Job. Bon, je vais parler d'un sujet. Est-ce que vous êtes victime du racisme dans votre lieu de travail? Est-ce que vous vivez des discriminations dans votre lieu de travail? Parce que vous serez noir? Est-ce que vous êtes menacé dans votre boulot pour votre couleur de peau? C'est le thème de ce soir, le racisme, la discrimination. Parce que vous êtes noir, est-ce que vous avez des collègues qui vous discriminent? Je voudrais un peu parler de ça ce soir. Pourquoi jusqu'à présent l'homme noir continue de ne pas être respecté? Pourquoi on croit toujours que le noir, c'est la pauvreté? Pourquoi on croit toujours que le noir, c'est dégradé en fait? Le racisme dans le milieu du travail, les Noirs sont trop victimes. Les Noirs sont trop victimes, beaucoup ne veulent pas en parler. Trop. Tu es dans le travail avec tes collègues là, tu sens comment ils te. Parfois même à midi, tu veux manger ta nourriture comme ça, on te regarde, mais putain, c'est quoi cette gamelle? Mais qu'est-ce que tu as ramené? Et t'as moi-même Syrah. Ah, t'es Syrah, ça veut dire quoi? Non, mais c'est pas parce que toi tu t'en fous que. Tu ne pourrais pas, n'est-ce pas, avoir pitié des gens qui vivent ça. La discrimination, ce n'est pas parce que tu la vis pas que forcément. C'est comme Stella Kanga. Les femmes comme Stella Kanga, c'est les femmes qui te disent qu'il n'y a pas de racisme en France parce que peut-être elles ne vivent pas ça. Mais il faut être solidaire des personnes qui vivent des discriminations. Il y a des femmes là, même si elles épousaient un blanc,
Elle souffre avec ça. Un Sisera. Ah ouais, qu'elle-même, elle est Sisera. Ok. Et t'as moi-même Sisera, je m'en fous. Ah ok. Ben, il y a des femmes, ce n'est pas parce que tu es marié à un blanc ou une blanche que forcément tu ne vis pas le racisme. Hein. Moi, il y a la plupart des noirs qui ont épousé des blancs, ils souffrent énormément. Hein. Les gens, ils veulent pas le dire. Tu vas épouser un homme, tu l'as aimé, mais arrivé dans sa famille. Je suis allé à un mariage. Aller à un mariage d'une fille africaine et un Wat. Vous allez voir que toute la famille du Wat ne vient pas. Tu vas épouser un homme, tu es la seule. La famille ne vient pas, ses enfants ne viennent pas. Parce que dans leur tête, on est pauvre. Le Wat a un bar, même dans le work pair, je vous dis dans le rap, même là où je work là, même là où je work là, pair, le traitement qu'on dit au Wat, ce n'est pas le même traitement qu'on donne aux Noirs dans les sociétés en France. Moi, je voudrais demander au gouvernement français de combattre de plus en plus le racisme, la discrimination. Je voudrais vraiment que. Parce que c'est difficile. Moi, je suis dans un kwata. Le kwata où je suis là. Il est que le barat des. Les gens, alors, ils la couleur, c'est alors c'est un problème pour eux dans le kwata. Si. Je suis quoi la boulangerie, toujours. J'ai vu comment la femme là m'a regardé là-bas. Mon frère. Tous les établissements que je vois dans le kwata, si, surtout dans les quartiers, parce que je suis dans un quartier quand même. Je suis dans un quartier huppé, un quartier riche. Pire. Mais qui a dit aux blancs qu'un noir, c'est la pauvreté? Qui a dit aux blancs qu'un noir, c'est la saleté? Qui leur a dit ça? Qui leur a menti? Qu'un noir n'est pas un être humain? Ils n'y croient pas. Vous avez vu combien de blancs ici? Même le chinois, même l'hindou, tous ces gens n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire avec le noir. Une femme qui a épousé un blanc, parfois elle est seule. Bonsoir, fille Jinjomo. Tu es dans le tu as épousé le Wat, mais la famille du blanc là, ne t'accepte pas. Comment tu aimes un homme, tu vis avec lui, mais sa famille ne t'accepte pas parce que tu es noir. Toutes les femmes africaines ne sont pas des sans-papiers. Ce n'est pas parce qu'une femme est noire. Ce n'est pas la victimisation. Ça, c'est la dénonciation, mon cher. Parce que tu ne vis pas ça. Tu sais comment c'est douloureux d'être dans une entreprise et de vivre des discriminations. Pourquoi vous prenez, vous dites que c'est... Non. Ça va bien, Dorothée. Merci de tapoter, merci d'envoyer des cadeaux. Vous savez combien c'est difficile pour une femme qui est mariée à un Français de subir les discriminations? Qui parle de ça? Les gens, ils voient, ils vont te dire que... Quand une femme noire va épouser un blanc, on va attendre l'argent. On va attendre l'argent, on va attendre ceci, on va attendre cela, on attend que l'argent. Mais pourtant, tu vis le calvaire dans la relation là. Et moi, je vous dis, c'est parce que vous aussi, vous avez, quand vous décidez de sortir avec ces blancs là, on va lui demander l'argent. Vos sales mentalités, c'est ça le problème. Et c'est là où ça met. La mère, la famille du gars dit, ben, elle est là pour ton fric. Hein. Voilà ce qu'on va dire. Mais elle est là pour ton fric. Parce que tu vas arriver dans une relation, au lieu de travailler, tu ne veux pas travailler. Mon copain, il est blanc, donc du coup, tu es là pour le pigeonner en fait. On ne pigeonne pas en France. On ne pigeonne pas. Quand tu trouves un homme, tu travailles, il travaille. Vous payez ensemble. Tu ne peux pas faire des ongles. Tu fais ta manucure, ta pédicure, un homme, il va travailler pour toi. Il n'y a pas ça. C'est pourquoi vous êtes toujours avec les vieux what? C'est pourquoi vous êtes toujours, dans votre niveau, c'est des vieux, en fait. Parce qu'un jeune Français blanc ne peut pas accepter d'être en couple avec une jeune Africaine et qu'ils sont en train de payer le loyer, les courses, les factures, pendant que toi, tu te fais belle. Donc, il est important de souvent parler de ces sujets-là afin qu'on sache.
Les Blancs, ils ne connaissent pas cinq circonstances. Tu vis dans un pays pendant 20 ans, tu es incapable d'avoir un ami. Le racisme est très douloureux dans le milieu du travail. Parfois, tu es compétent, mais comme tu es noir, et parfois, le gars même, il force, il te prend. Dès que tu arrives dans la relation, tu commences à lui demander l'argent. Je veux l'argent de ça, je veux l'argent de ça. C'est une mauvaise image. La femme doit travailler. La femme doit travailler pour être respectée. Une femme qui veut être entretenue, c'est une femme qu'on ne va pas respecter. Merci pour les cadeaux saints, merci infiniment. Attends. Et tu m'as appelé comment en même temps? Une femme, quand tu vas, tu es une femme noire, tu rencontres un mec, c'est un blanc, et tu commences à lui dire je veux l'argent, je veux l'argent. Le gars, il aura une mauvaise image de toi. Il n'est pas habitué à ça. Et c'est ça qui fait que. Salut Isabelle. Merci d'être là. Merci de t'apporter le live. Merci. Une maison dans laquelle il n'habitera pas. Donc ce que je vais dire, c'est que. Merci Isabelle, c'est gentil de ta part. Donc moi je demande à une femme, laissez vos mentalités en Afrique là. Quand vous arrivez ici, si tu veux être respecté dans un couple, il faut avoir une stabilité, c'est-à-dire le travail. Et un homme a du respect pour une femme qui travaille. Ce n'est pas les ongles, ce n'est pas ce n'est pas le fait que tu aies refait tes seins, ce n'est pas le physique. Quand tu es une belle femme, un homme t'apprécie, il apprécie tout ça. Mais maintenant, pour gagner le cœur d'un homme, c'est parce que tu travailles, c'est parce que tu contribues, parce que tu es un soutien. Donc les femmes qui mettent tout dans les ongles, je m'avais fait mes ongles, je m'avais fait mes chaussures, je m'avais fait tout ça. C'est pourquoi c'est le genre de femme qui va toujours changer des hommes. Tu vas entendre mes ex, toujours mes ex. Alia, j'ai dénoncé Bigot, là, on a signalé ma page. Voilà, donc... J'ai dénoncé. Et maintenant, toutes les femmes sont devenues influenceuses. Moi, je ne sais pas quel homme même peut venir. Il veut épouser une femme. La femme a son métier, c'est influenceuse. On sait que influenceuse, on la paye et on couche avec le cœur de toute sa famille. Mais si tu pars dans cette relation, tu n'as ni papier, tu n'as pas de situation. Il est clair que la famille va avoir peur. Si c'est une famille qui a l'héritage. T'as porté le live, partagez. Et votre histoire de toujours avoir un noir à côté. Tu savais le blanc, tu as un tapeur à côté. Arrêtez ça. Parce que c'est comme ça que beaucoup de filles sont mortes. Hein. Parce que pour le blanc, ça ne part pas loin. Quand il se rend compte que tu le trouves, il va te tuer. Vous risquez énormément. Tu vis avec un homme, tu as un gars noir. Parfois, le gars noir arrive à la maison, c'est ton cousin. Tu payes la maison dans un couple où le mari est un invalide et gagne 1400. Mais si le mari gagne 1400, Séraphine, vous mettez l'argent ensemble, vous partagez les dépenses. Déjà qu'il gagne. Dans le respect d'une femme dans un couple, c'est aussi le fait qu'elle rapporte de l'argent. Ce n'est plus la beauté. Hein. Voilà, même un homme qui a les moyens a envie d'une fille qui rapporte, une fille qui a le cerveau. Donc on ne garde pas une femme à la maison parce qu'elle est, elle a les brésiliennes. Voilà, donc il y a les femmes qui ont fait. On discute ensemble. Esté Bibian Dongo Ibongé, bonne année maman. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas qu'elle aussi, dans une relation, tu as aussi ce que tu apportes. Parce que les gens savent seulement attendre de l'autre. Mon mari ne fait pas ça, mon mec ne fait pas ça. Toi, tu as apporté là dans cette relation. Pour qu'une relation fonctionne,
tu dois donner ta part. Et quand vous allez rencontrer ces blancs-là, tu sors avec un blanc, c'est votre matérialisme qui tue votre relation. Quand le blanc, il sait déjà que tu es matérialiste, il n'a plus confiance en toi. Donc sachez que vous êtes en Europe, quand vous sortez avec un Européen, vous arrêtez vos histoires de prendre l'argent et un homme aller construire au pays. Quand on sort avec un homme, le projet, on fait un projet de vie commun. Vous avez pourri, maintenant les blancs là même, ils n'ont même plus envie de quelqu'un. Parce que les gens, ils ont tout pourri, l'ambiance. Les anciens matels, ils sont venus épouser les rois. Elles sont venues épouser les watts, elles ont ramassé tout l'argent. Elles ont ramassé, gâté toutes les. Mais une jeune fille maintenant, elle ne peut plus épouser un watt parce que les matés, les roucascas là, elles ont bordé, gâté tout, pourri les relations. Voilà. A fait des choses. Après, tu as besoin de d'un homme. Donc, j'étais là à sensibiliser sur les mariages mixtes. Voilà. Je suis en France, je dis qu'en France, on ne. En France. On ne sort pas avec quelqu'un pour lui demander de l'argent. C'est du matérialisme, c'est une forme de prostitution. On sort avec quelqu'un parce qu'on est attiré par la personne, parce qu'il y a des sentiments. Et après, on se fait des cadeaux. C'est comme ça qu'on sort avec les gens. C'est pourquoi beaucoup de filles sont même célibataires, parce qu'elles ne sont pas à la recherche de l'amour, elles sont à la recherche du matériel. Voilà, tu ne peux pas être là, tu attends qu'un homme se lève tous les matins, il aille travailler parce qu'il doit vite te donner de l'argent. Une femme qui a de l'éducation, elle refuse, elle dit non. D'accord? Voilà. Ça, c'est les choses. Tu peux pas. Un homme, il se lève tous les matins. Il se lève avec l'hiver, là. Il part travailler. Et toi, tu es une femme, tu es tranquille. Parce que l'homme couche avec toi, il doit te payer, en fait. Et quand tu fais ça, on te dit que tu es dans la bordelée, tu dis non. Est-ce que c'est même normal? Un homme doit se lever tous les matins, il va travailler. On est en Europe, toi aussi, tu peux aller travailler, tu refuses. Que le gars, il doit venir te donner. Moi, je dis à ces hommes-là. Parce que si une femme qui refuse de partager avec toi est une femme qui n'a pas de sentiments pour toi, et maintenant, quand tu commences à payer la puterie, la bordellerie, pour coucher, tu payes les femmes, sache que tu es bien parti pour le faire le reste de ta vie. Parce que tu n'as plus la hargne pour conquérir une femme. Tu penses que pour que tu déshabilles la femme, il faut que tu donnes l'argent. Quand tu commences avec ce truc, tu ne t'en lasses pas. On est en Europe. Tu dragues une fille. Vous avez un premier rendez-vous. Elle paye son verre, tu payes ton verre. Vous allez en boîte de nuit, chacun met combien. Ça, c'est une relation dans laquelle il y a des sentiments. Mais si tu sors avec une femme en Europe, parce que la vie est difficile, on ne profite pas des gens en Europe. On ne profite de personne. Draguer une personne, c'est lui dévoiler tes sentiments. Tu aimes la personne. Aimer une personne ne voudrait pas dire que ton argent, tu dois le distribuer à la personne. Tu dois lui donner des sentiments, tu peux l'aider. Mais ça doit être réciproque. Salut, Pariso, Pariso. Parce que même les femmes qui vous demandent l'argent là, c'est comme ça qu'elles ne sont pas fidèles. La femme qui a l'esprit de la bordellerie ne peut pas rester avec un homme. La femme qui est matérialiste, qui couche, qui est payée. Lorsqu'elle couche avec les hommes, tu n'as pas une femme. Une bordée, c'est une saleté. Une femme, mais une femme. Tous les réseaux sociaux que vous voyez là, une femme qui est connectée H24, une femme qui s'exhibe, tout ça,
C'est pas une femme que tu parlais. Tu parlais que bah, tu vas ma femme. Parce que les réseaux sociaux, c'est une forme de bordellerie. Hein? Tu ne peux pas présenter les filles comme Cheryl. Ce ne sont pas les femmes que tu parlais présenter à quelqu'un que va ta femme. C'est des filles, tu ne peux même parler dans un milieu, tu dis que va c'est un gars. Quand on sait ce qu'elle fait là, toute la bordellerie qu'elle fait là. Jamais. Les femmes, même la manière de parler, l'écart des langues, c'est-à-dire que même que tu l'entends parler, elle pue la puterie. Tu peux parler quelque part, tu dis que va manga. On va dire que mon frère, tu as l'autoroute. Ce n'est pas une femme qui peut donner même aux enfants une certaine valeur. C'est pourquoi ce métier-là, quand on fait, on se cache. Tu te rends compte que tu ramènes chérie, tu dis à ta mère que voilà ma femme. Et ta mère connaît tout ce qu'elle fait sur Internet. Tu rends du boulot comme ça, la tanga était au travail. Quand on dit qu'on a une femme, quand tu rends du boulot, tu es chez toi, tanga, elle était au boulot, elle est rentrée. Vous êtes à deux. Vous regardez peut-être, vous êtes ensemble. C'est une fille qui se lève le matin, elle va aller travailler. C'est une fille qui contrôle ses réseaux. Mais une femme s'assoit, elle dit que c'est l'homme qui doit me payer le voyage, c'est l'homme qui doit me payer. Mais ça, c'est la puterie, tu n'as pas de femme. Moi, je dis aux hommes que si tu as le genre d'un gars là, il y a les filles avec lesquelles je commence une relation, tu commences des histoires d'argent, je te mets des coups. Elle a pour ton argent. La prostitution, c'est une saleté. La super exposition, c'est une autre saleté. Aucun homme qui réfléchit peut prendre une fille qui met les annonces. Hein? Une fille qui met les annonces. On l'appelle, on couche avec elle 10, 15 gars par jour. Tu prends ça. Hein? Chérie, je te fais pitié. Toi, tu penses que tu es un gars. Tu es une bordel. Franchement. Tu es une bordel. Même si tu vas plus faire le bon cas, tu es dans la puterie, madame. Voilà. Tu es réservé à une catégorie de gars qui n'en ont rien à cirer. Tu peux avoir l'argent, c'est pas que tu n'as pas l'argent. Mais cet argent n'a pas de sens. Tu peux avoir l'argent. Il y a les filles qui ont l'argent de la bordellerie. On n'a rien à cirer avec ça. Si tout pour toi c'est l'argent, tu as l'argent de la bordellerie. Tu es une femme, 10 gars te couchent tous les jours. N'importe qui peut te toucher parce qu'il t'a donné 1000 balles. Tu vois un peu? Voilà, il y a une catégorie de gars qui aiment les bordels. L'argent sale, une femme qui se respecte. Tu es incapable de te mettre un homme, tu te bats, tu es pressé d'avoir l'argent. Tu baises pour 10 balles, pour 15 balles. On voit, tu vas avec les petits voyages. Elle est à Paris, elle est ici, là. Parce qu'un homme va te coucher. Les gars, même à Paris, ils donnent 80 euros. Il n'y a que les naïfs. Vous allez venir tromper les naïfs, là. Venir raconter que prends ton argent. Les femmes travaillent. Une femme se lève, elle va bosser là son argent. Toi, tu prends tes fesses, tu baises tout. Tu baises les gens à gauche, à droite. Vous n'avez même pas honte. Vous allez rester comme ça. Vous allez vous afficher, non? On attend l'homme qui va avoir le courage. Tu es une sale bordel. On attend l'homme qui va avoir le courage de te dire que voilà. Parce que l'homme même, tu as la maison. Une femme déjà, tu as le mari à la maison. Tu baises encore partout, à gauche, à droite. Et tu promets encore la bordellerie. Et tu penses que parce que les gens te regardent, que tu as de la valeur. T'es rien, t'es une pourrie. Je suis désolé. T'es une pourrie. T'es une sale femme. T'es trop sale. Les annonces, tu es là. Tu fais la bordellerie à tout va. Parce que tu veux construire l'immeuble. L'immeuble de quoi? Avec ton corps. L'immeuble de quoi? De la bordellerie. Les immeubles qui tombent là au pays. Quand il y a des femmes qui se lèvent tous les matins, vont travailler. Donc, on ne va pas accorder de l'importance à ces femmes pour venir vous respecter. C'est vous qui faites, on dit que les femmes camerounaises, c'est des bordels. Une femme, elle va bosser. Tu n'as pas été à l'école, tu peux faire une formation. Vous refusez de travailler. J'ai recruté les filles pour aller mettre sur Bigot. Tu n'as même pas honte. Tu recrutes des petites gamines. Hein? Tu recrutes des petites filles pour aller se prostituer dans les sites internet. Et tu viens même parler. La saleté, là, elle est sur TikTok ici. Là, elle veut me montrer. Qui va te prendre? Elle va faire ton live, tu parles là-bas. Vous êtes des publics. Tu penses que les gens peuvent te respecter, toi, Cheryl. Parce que tu fais souvent tu cries. Hein? Il y a des naïfs qui t'écoutent. Une femme, l'homme à la maison, un homme qui te... Tu dors chez un homme incapable de le respecter. Venir baiser partout. Venir promouvoir la puterie. Tu es une saleté, comprends ça. Tu es une sale fille. Voilà. Tu es une sale fille qui promeut la prostitution. Tu as ramassé toutes les filles de TikTok, tu as les mettre dans la bordelée. Honte à toi.
On attend le jour où un gars courageux va te prendre pour te mettre. Ça va être un salopard. Tu peux avoir les milliards dans la prostitution, tout ce que tu veux. Mais ça ne va pas changer que tu aies un déchet avec ça. Une femme en Europe, tu as traversé la Méditerranée pour te lever, pour venir gagner ta vie. C'est la prostitution que tu as opté pour la prostitution. Jusqu'à ce que tu penses que tu peux être quelque part, on te respecte. Et tu fais la basse prostitution. Parce que quand on parle de prostitution, là, moi, je connais des filles qui font plus que toi, là. Elles sont discrètes. Tu as décidé de venir exposer ça. Parce que oui, le aura, des sales trucs. Tu es venu même, c'est-à-dire que tu viens publiquement montrer que oh, tu peux dire aux gens que tu es un bordel. C'est sale. Tu comprends? Voilà. C'est sale. Tu es une sale fille. Comment il y a à respecter même ton enfant? Parce que quand on a les enfants, on arrête la bordellerie. L'Angola se met sur TikTok, elle se met partout. Elle a recruté il y a toutes les filles mettre dans les sites. Que je connais quelque chose qui peut te donner l'argent. Tu ne connais pas les formations. Tu es parti te camoufler chez un blanc. C'est à cause de vous que les blancs ne peuvent même pas aimer les noirs. Quand tu étais dans la misère, le blanc t'a aidé. Il faut le respecter. Maintenant que le blanc t'a donné les papiers, t'a tout donné. Maintenant, tu viens dans la bordellerie. Voilà ta vie. Le blanc était là. C'est pourquoi ces blancs, ils ne peuvent même pas respecter les filles africaines. Quand tu es arrivé dans la souffrance, la misère, le blanc là t'a accueilli avec ton enfant. Le gars t'a donné un toit. Il t'a donné à manger. Il t'a tout donné. Aujourd'hui, sous son dos, tu fais la puterie. C'est ça ton identité, la puterie. Le type est là, il est à la maison. Toi, tu es sur Internet, tu te montres les seins, tu montres ton corps, tu montres tes lasses, des bordels comme ça. Voilà des choses, les femmes que quelqu'un ne peut même pas respecter. On va prendre ça, on va mettre ça sur... Ouais, je suis sur TikTok là, la salope est même là. Voilà les gens qui vont faire... On va parler des femmes camerounaises, on va dire, oh, mais c'est des filles matérialistes, c'est des filles comme ça. Pourtant, c'est elle qui est comme ça. Sortie depuis le pays avec l'esprit de bordellerie, en fait. Tu as une bordel de bas. Tu peux avoir l'argent comme tu veux. Parce que tu vas dire que tu as les dos. Mais tu es une saleté, en fait. Tu es une souillure. Tu as compris? Tu es une souillure. Idiote. Il y a comment tu es noir. Même là, tu ne peux pas bien nettoyer ton visage avec tout l'argent. Regarde-moi ça. Tu ne peux même pas te faire une remise à niveau. Il fallait dire, tu entends le français. On dirait qu'elle a fait le français élémentaire. Pourtant, elle est en France. Les conneries, là, il faut arrêter ça. Va travailler. Va travailler, bouffonne. Une fille qui vient... Tu viens promouvoir la pimenterie sur Internet, on te laisse. Jusqu'à les gens encouragent ça. Je vois quelqu'un encourager ça dans les commentaires. Le bloc ici, là. Quelqu'un me parle de Natacha. Même à Natacha, j'avais dit la vérité. Natacha a compris. Natacha, elle-même, on lui avait dit d'arrêter de promouvoir ça. Mais quand on parle même de la pimenterie de Natacha, ce n'est pas les piments de celle-ci. Les Natacha, c'est les filles qui font 25 000 dollars par jour. Ce n'est pas la pimenterie de 15 euros de celle-ci. L'histoire de Natacha et Solange de Paris, vous avez compris qu'elles avaient eu 25 000 euros. L'autre, si on la baise à 20 euros. C'est pour les trucs de... Tu entends les cadeaux de Bigot. Les 2 euros, les 3 euros. Les Natacha, c'est une autre dimension de la pimenterie. Une journée, elles ont eu 25 000. Alors que le titre ne les a même pas touchés. Mais on leur a dit de cacher ça. On ne veut plus ça. On ne veut pas des saletés comme ça qui viennent entraîner promouvoir la prostitution. Voilà. La jeune femme camerounaise doit s'élever, pas bosser. Celle qui fait la prostitution, elle doit le faire discrètement. Quand ils voient les pervers qu'il y a ici, là, sur TikTok, ils sont là, ils suivent ça. Tapoter le live. Donc, elle est souvent dans les lives. Tu penses que c'est quelqu'un. Hein? Tu souilles les filles bamiléquées. Tu n'as pas honte. On t'a dit que les femmes bamiléquées se prostituent. La femme bamiléquée, c'est une femme qui travaille. C'est une femme d'affaires. Ce n'est pas une sapate de 20 euros. Tu comprends un peu? C'est une femme qui est créative. La femme américaine, ce n'est pas une prostituée. Il faut enlever ça. Ici à Paris, tu vois, les femmes américaines, elles sont dans l'entrepreneuriat. C'est les femmes qui ont de la valeur. C'est les femmes épousables. Tu penses qu'un chef peut t'épouser? Quand on va dire à un chef que tu as un bordel de 20 euros, un footballeur peut épouser une bordel comme toi. Qui peut t'épouser? C'est un bout de main. Tu sais, oublier les bails, t'as pas de gigolo. Sur Bigon, on vous donne 2 euros. Même la borderie, il faut bien faire. Tu te caches.
Tu peux monter les 5 pour 2 dollars, pour 3 dollars. 1,50€, tu as monté l'entote. Ça part et ça vient cela raconter. Fais la borderie bien, même tu te caches. Quand il fait ça, il y a des pervers là, ils sont là, je ne dirais pas encourager. Il finit 3 heures de live, ils ont idiot. Viens encourager la prostitution là, encore ici là. Il avait dit qu'elle devait être nettoyée correctement. Elle a ramassé toutes les petites filles camerounaises qui sont dans la prostitution de Chéri Djunkam. Parce qu'elle arrive à leur dire que ça lui donne l'argent. Tu sais combien une bordelle gagne? Parce que vous partez devant les Indiens, devant les Pakistanais, allez monter vos seins là-bas. On ne vous filme pas maintenant les sites. Et les gens viennent, ils sont même contents. Quel déshonneur. La femme babilique est trop digne pour faire la prostitution. Tu as compris? Et tu vois ça, c'est là on peut même pas respecter la femme camerounaise. Une gaëlle là, mon frère, une bordelle de bas étage comme ça, 20 euros la baisse. 20. On te dit que les bordels, c'est les bas 20. Il y a les bordels qu'elles passent une heure, c'est 2000. C'est comme ça que la plupart, une rose, tu peux envoyer les roses, l'engagé est en train de monter son corps. Ils font que ça ici, là. Hein? Quelle femme bamileke paie la puterie comme toi, là? Une femme bamileke, elle est noble. On dit la femme bamileke, en ce moment, c'est la femme la plus prisée au Cameroun. C'est la femme noble, la femme qui bosse, la femme qui se débrouille. C'est la femme attractive, une femme. Ça ne sert à rien qu'on me voit avec le genre des femmes comme toi. Parce que tu ne prends, on peut pas... Un homme ne peut pas dormir auprès d'une bordel. L'homme dort auprès d'une femme digne. Et la plupart des saletés qui existent sur TikTok, les femmes que je vois ici sur TikTok, la plupart, vous êtes des bordels. D'accord? Les gens sont en train de laisser la fille ici pour me voir la puterie sur TikTok. Elle a ramassé toutes les filles qui sont sur TikTok, là, font la bordellerie. Il va te laver tout le temps. Et il va encourager les blogueurs à t'allumer tout le temps. Toi, la mamie bordel, là. Voilà. Tu vas arrêter de venir promouvoir cette saleté-là, ici-là. Tu vas faire ça avec les autres. Je vais t'allumer tout le temps. J'ai 4 TikTok. Voilà. Merci pour les étoiles. Merci, George, Green Club. Voilà une fille. Il dit qu'elle a ramassé tous les petits, vos enfants qui sont sur TikTok. Elle est partie maintenant dans les sites. Une sale chose comme ça. Regarde ton visage crasseux là-même. Tu ne peux pas t'inscrire en salle de sport, perdre le poids là-même. Tu fais la borderie avec le corps là. Hein? Toutes les petits-enfants qui sont sur TikTok sont dans les sites, c'est elle. C'est Djunkam. Connasse comme ça là, mon frère. Tu es malade. Comme toi, tu n'as pas d'avenir, donc du coup, tu vas prendre des petites filles qui sont sur TikTok, tu vas les recruter dans un site pour aller danser pour des miettes. Et les gens, ils vont te laisser faire ça. Tu peux avoir autant d'argent que tu veux, mais c'est de l'argent sale. Parce que moi, il va t'allumer propre. Voilà, je me connais que pour toi, il t'allume propre. Et il faut que tu te laves bien parce que ton visage est accidenté. Il n'est pas bien lavé. Prends l'argent de la puterie là, tu te laves bien le visage. Et tu enlèves toutes les mineurs. Parce que quand on va monter en puissance sur toi, ce n'est pas les petits TikTokers là qui jouent avec toi là. Quand nous, on va monter sur toi là, pour t'allumer ici là, on va te dire fais encore ça, ça va te dépasser. Moi, je te le dis sincèrement. Que les gens comme nous là, quand on vient sur toi là, ce n'est pas les trucs des TikTokers qui te caressent là. Parce que là, je suis sur Facebook, je suis sur TikTok, il t'allume. Donc, je vais laisser même mes adversaires là, je suis sur toi tout le temps. Voilà. Tu vas aller te cacher. Tu vas aller te cacher pour faire ta puterie et tu vas enlever les mineurs, les enfants que tu recrutes sur TikTok. Tu vas arrêter ça. Tapotez le live, les amis. Tapotez le live et partagez-le. Cette sapac doit être lavée ici, là. Maintenant, il y aura des directs où on va te lessiver et on va t'afficher correctement. Tom, qui t'a aidé? Quand vous arrivez, vous êtes en galère,
chercher les Français. Dès que le Français se met avec toi, il te donne tout. Maintenant, tu viens faire ta putrée après. Tu seras très mal dénoncé. C'est à cause de vous aujourd'hui que les Français, ils ne veulent même plus des filles africaines. Ils n'ont plus envie. À cause des sales choses comme toi. S'il vous plaît, tapotez-moi ce live. Aujourd'hui, vous voyez un Français, il a dit non, une fille africaine, je ne veux pas. Elles sont là pour de l'argent. À cause des sales choses comme toi. Tu es marié. Il y a un homme qui t'a épousé, qui t'a lavé, qui t'a rincé, qui t'a tout donné, qui est à la maison. Mais sur Internet, tu fais la prostitution sous le dos de ce monsieur. Et tu n'as pas sans vergogne en fait. Tu t'en caches même pas. Tu t'en caches même pas. Tu viens, une femme mariée, une femme qui a un enfant, vient sur Internet promouvoir la puterie, on la regarde. Mais t'es malade. Et tu viens recruter des gamines pour les mettre dans les sites. On ne va, je vais jamais te laisser. Hein. Je te dis, moi, je ne vais pas te laisser. Pas du tout. Hein. Je ne vais jamais te laisser. Je suis toi. Une place. Il n'y a même pas besoin de renfort. Tu vas venir, t'es direct que tu es venu encourager la prostitution là. Une fille matérialiste comme toi, on peut t'amener où? Les gens, tapotez-moi cette merde-là, sinon je vais arrêter. Tapotez-moi ça. Les gens t'écarrent sur Internet. Nous là, notre catégorie de blogueurs là, quand on arrive sur des gens comme toi là, comment on t'allume, même là, je suis calme. Mais très prochainement, c'est que tu vas entendre là. On va te dire d'allumer encore la caméra, venir parler de la prostitution ici là sur TikTok là. Donc on est quitté sur Facebook et sur TikTok. Tu n'auras plus le courage. L'homme à la maison, va respecter un homme. Tu peux respecter un homme, toi. Tu as déjà pris les papiers, tu as eu tout. Maintenant, tu baises un peu partout. Tu passes des week-ends à gauche, à droite, avec des hommes et tout ça. Quand on va entendre qu'un blanc est venu finir avec toi, on va dire que oui, les blancs, ils sont racistes et tout ça. Le mec, il a mis la main sur toi. Il t'a accueilli chez lui. Il t'a épousé, il t'a donné les papiers. Et tu baisses partout, en fait, après. Tu couches partout après ça. Et tu viens te bomber le torse. Quand on est, t'es sale. T'es sale. Je suis désolé. Voilà, t'es sale. Hein? Quand ton agent est sale, tu te caches. Tu peux pas être une jeune fille comme ça, tu fais la puterie, tu viens te faire voir. Tu viens encourager les jeunes filles, tu dis que oui, j'ai mon immeuble, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela. Mais tout ce que tu peux avoir, s'en fiche. Tu es une petite pute des bas étages, tu es une porclette. Hein? Tu es une saleté. Une femme que l'on donne 20 euros pour coucher, tu parles à qui? Il y a des femmes, même avec 100 000 euros, tu ne peux pas coucher avec elles. Tu penses que tu peux? Parce que toi, tu refuses de travailler, en fait. Tu refuses d'aller travailler. Tu écartes pour vivre. Et tu viens te la raconter, comme si tu avais de la valeur. N'importe qui peut te coucher avec toi, dès qu'on a payé. Donc, tu n'es rien du tout. Parce que tu as un prix. Tu n'es rien du tout. Les gens tapotent le live, sinon j'arrête, c'est bon. Tu la laves propre. Voilà, et puis ça ne va pas quelque part. Bordel. Il n'y a que sur les réseaux sociaux qu'une femme comme ça, tu as le courage de parler. Une bordel comme ça, tu peux parler même devant les gens, on te crache dessus même. Tu es malade. Il y a des métiers que, quand tu exerces ces métiers-là, il faut rester dans ton coin. Hein. Quelqu'un peut te donner son enfant de garder. Tu ne vas pas lire qui vend le piment. Ça peut passer dans la tête de quelqu'un qu'une fille américaine, elle vend le piment. Elle vient sur Internet. J'ai encouragé les filles bourclées comme ça là. La bordel, c'est l'angle la plus facile. Parce qu'on paye, on te touma. Toi, c'est 20 balles. On t'appelle, il y a 20 euros, tu vas ramasser. Et tu es qui? Il y a l'anga même colo. Elle dit qu'elle ne prend pas, elle ne prend pas l'argent. Donc tu es une grosse saleté. Ça t'énerve, tu peux te dire quoi?
de grâce. Tu penses que tu vas faire tes bêtises là? Non, mais c'est TikTok. Hein. Nous, les Facebook, là, on t'a allumé. Juka, tu as arrêté ta borderie là, tu comprends bien. Voilà. Il dit, tu vas arrêter ta borderie là. Tous les enfants que tu mets dans la prostitution, tu vas les sortir de là. Nous voudrons bien. Ce qu'on souhaite, c'est que la jeune femme camerounaise qu'elle travaille, qu'elle entreprenne, ce n'est pas qu'elle vende le piment, comme tu es en train d'encourager les gens là. Tu comprends un peu, non? Voilà, parce que c'est parce qu'on... Personne ne voudrait que sa fille fasse ce genre de métier. Mais même si les gens faisaient ce genre de métier, on n'a pas envie que ce soit promu. On ne veut pas que ce soit un truc dont on fait la publicité. Donc, il y a les gens, comme Natacha de Monaco, on n'a pas accepté. Natacha de Monaco s'est calmée. Et tu sais que ce n'est pas une... Ce n'est pas quelqu'un de bas étage comme toi. Tu es trop... Quand on parle de la borderie, Natacha de Monaco, c'est le high level comparé à toi. Ce n'est pas la puissance. Tu règnes, tu racontes ça. Vendez les piments à mes copines. Mais tu racontes tes bêtises là. Tu es malade. Voilà. Merci à ceux qui ont partagé la vidéo. Merci à ceux qui ont partagé la vidéo. Sopi, Sopi. Ça va, Sopi? Maman, pourquoi j'étais sa soeur comme ça, Adama? Tu es où depuis? J'ai compris mon rôle. En tout cas, je passais juste pour te dire bonne année. Bonne année, bonne année. Ça va? Mais tu connais mon inbox? Quand je suis en train de framponner, Chérine Djoukam, tu vas faire le direct. Quand on va dire que tu... Mais laisse-moi le message, parce que quand on va dire que tu es dedans là, quand je suis en train de laver les gens, tu viens entrer là. Quand ça va te prendre là. Tu vas pas chérir là, Cheryl, avec qui on était dans le groupe là. Mais tu l'as, donc tu l'as même pas suivi. Cheryl, la porclette là, celle qui draguait même, celle qui avait envoyé ses nudes, ne dis pas son nom. Ne bois pas ça. Ah ouais, au bien de mon âme.